signé, nous avons les serviteurs de Dieu Salomon. Tikwani qui a un témoignage. On va passer un micro ici. Que Dieu de William Branham vous bénisse. Mungu wa William Branham awabariki. Celui qui est le Dieu de Pasteur Bilombe. Yenjo Mungu wa mchungaji Ben Bilombe. Et le Dieu de Chikwani Salomon. Yeko Mungu wa Chikwani Salomon. Je voulais seulement donner un petit témoignage. Nilipenda tu nilete ushuda kidogo. Quand je suis venu du voyage missionnaire. Wakati nilitoka ku safari missionnaire. Alopa mabanga. Kurudi yangu toka alopa mabanga. C'est la même semaine que aussi le pasteur était venu. Il est le jour où mon chungaji allait nous dire à toka au Sénégal. Alors avant de venir, c'était presque le samedi. Il dit quoi, si qu'il y a sita. Et c'était dimanche, pour que je puisse terminer le dimanche. Il dit quoi, John, il m'a dit si qu'il y a mungu. Et je me suis agenou pour prier la samedi la nuit. Nika piga magoti ni yombe mungu. Maintenant, je suis entré dans une vision. Kisha nika ingia ndani ya ono. Une sorcière est venue. Mulozi wa mwanamke akakuja frappé avec un poison meurtrier. Akanipiga na sumu ya kuua pale pale. C'était tellement meurtrier. Ilikuwa ya kuua kabisa. Je tombais par terre. Nikaanguka chini. Il n'y avait pas moyen de parler. Hakuna namna ya kusumulia. Pendant toutes 15 minutes. Karibu dakika 15 niko chini. Et après je me suis réveillé, je me suis mis debout encore. Kisha nikasimama tena. C'était très meurtrier. Ilikuwa ya kuua kabisa. Je dis au Seigneur, nikaambia Bwana, mais c'est à cause de ton évangile. Iko njo kwa ajili ya injili yako. Que le diable ne m'aime pas. Njo shetani hanipendi mimi. Et le dimanche, na siku ya Mungu sasa, je termine à prier, à prêcher. Nikamaliza kuhubiri. Et le même dimanche, je suis retourné à la maison. Na ile ile siku ya Mungu nikarudia nyumbani. Et la nuit, ça m'a fait beaucoup de mal encore. Na busiku ikanisumbua tena sana. À tel point, je sentais très mal. Kukiwa kwamba nilikuwa najisikia mubaya. Je voyais la mort à côté de moi. Niona kifo karibu yangu. Je disais au Seigneur, nikaambia Bwana, je lui rappelais sa parole. Nikamkumbusha neno lake. C'est toi qui as dit dans Marc 16. Wewe ndio ulisema amen na Marko 16. Personne ne me fait aucun mal. Sumu haitanisumbua. Alors comme ça fait mal, je vois que tu as fini avec moi ici. Si non, 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 on a malisé la case. Je suis prêt pour rentrer. Quelque chose me dit, appelez pasteur Bilombe. Je dis, Seigneur, je ne dois pas lui appeler. Je dois exprimer toujours mon expérience. C'est toi qui as dit, je rappelle Dieu, Marc 16. Et c'est toi qui as dit, ça ne me fera aucun mal. Aïta tu sumbua. Alors, j'attends alors le départ. Minangoya safari. Et le mercredi, ça, ça, si ce jeudi, le pasteur commençait à prêcher ici. Wakati, si il n'y avait pas moyen que je puisse venir à l'église. Hakuna, ça m'a fait beaucoup de mal. Et moi, sana. Je combattais toujours avec Dieu. Je marque de venir à l'église à cause de toi. Ku, kuganisa kwa ajili yako. Ce que tu avais dit, ouais, on dit ça me fera aucun mal. Aita tusumbua. Et le jeudi, na, donc le vendredi, ya tano, c'était la nuit vers 23h. Je m'a réveillé. Mungu akaniamsha. Chikwani, réveille-toi. Chikwani, nisimama, amuka. Je me suis réveillé. Nikaamuka. Et tu regardes la date. Le date. Angalia tare. Je vis la date. Nikaangalia tare. Dans mon portable. Ndani ya simu yangu. C'est le 8 avril. Il quoi, tare jeudi, c'est le 8 avril. Nasema, bwana, niko tare munani mwezi wa ine. Comment la date? Je dis à Dieu, comment? Nikambia Mungu, il est taré, nasema nini? Pourquoi la date? Kwa nini il est taré? Et Dieu m'a dit, kisha Mungu kaniambia, tu étais béni, quelle date? Ulibarikiwa taré gani? Je dis à l'Éternel, nikambia Bwana, c'était le jour de l'effusion du Saint-Esprit, le 10 avril à Igabari. Ilikuwa kusiku ya kumimina Rome takatifu. Dieu m'a dit alors, na, Mungu kaniambia, tu seras guéri le 10 avril. Moi je vois le 10 avril, je n'ai même pas fait ces pensées. Alors, voici comment voilà ta guérison sera ainsi. Quand le pasteur va monter à la chaire, commence à témoigner, attendre à et s'attester à la situation guérie. Quand il va commencer à témoigner. Alors le dimanche, j'étais venu aussi en retard. Parce que ça me faisait du mal. Et
Déjà, Joseph était déjà là pour conduire l'église. Joseph, il doit parler quoi dire au Congo. Alors, ça fait beaucoup du mal encore. Alors, quand le pasteur est monté à la chaire, j'aime ce Dieu qui rappelle la bénédiction de quelqu'un. Et quand le pasteur est monté à la chaire, il a donné le premier témoignage. Et le deuxième témoignage, je me suis fait debout. Et c'est parti. J'ai dit ah. J'aime ça bien. J'ai dit comme David pouvait dire, l'onction était toujours permanente à Nayot. Alors, je suis fait du mal à David. Il s'était caché à Nayot. Et Saul l'a envoyé les gens pour le faire du mal. Il avait toujours l'onction permanente. Et Saul lui-même est parti pour chercher David pour le tuer. L'onction était toujours permanente. Et Saul lui-même a prophétisé toute la nuit. Et je dis l'onction toujours permanente. À Bethel Tabernacle. À part Bethel Maskany, amen. Passe le mot Bethel. À part le tout Bethel. Dans Jacques Bilombé. Dans Jacques Bilombé. Que Dieu de Bilombé. Non. Continue à élever ses dons. Mes bien-aimés, nous sommes bénis que Dieu vous bénisse. Nous applaudissons très fort notre Seigneur.